Yes, tout va bien, vous. Oui, très bien. Priscilla, encore plus chaque jour. Merci beaucoup. De la Suisse. De où encore? Paris, France. Tunis. Waouh. Ok. Italie. De Gabon. Montréal, France. Hello, guys. De Québec. De Lubumbashi, Le Mans. Partagez le live, faites une capture, partagez dans vos stories que nous sommes en direct, invitez un maximum de personnes à se connecter. Afrique du Sud, Londres, Liverpool, du paradis, lol. Kinshasa, bonsoir depuis l'Italie, hey, la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes en train de nous suivre. De Toulouse, j'ai vu. Nous sommes également en direct sur ma page Facebook. Donc, il y a Instagram et Facebook. De Cameroun, nous avons l'Angleterre. La France. En tout cas. Kinshasa encore. Nous sommes suivis de partout, en tout cas. Nous bénissons le Seigneur des États-Unis. Partagez le live. Invitez un max de personnes à se connecter ensemble avec nous de Bordeaux. Et toi, tu es en live où nous sommes en Belgique, Haïti et aussi là parmi nous. Gloire à Dieu. Kenya, Gabon, Dakar, Chypre. Il y a énormément de pays qui nous suivent. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre live. Ceci est le volume 2 de Alliance avec mon ennemi. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de l'homme de Dieu qui nous a bénis la semaine dernière. Je laisse encore quelques secondes afin que les gens se connectent. Je vois Bukavu, Togo, Guadeloupe, Russie. Waouh, énormément de pays sont en train de nous suivre. Gloire à Dieu. Comme quoi, Internet peut vraiment atteindre un maximum de personnes. C'est quelque chose. Amen. Afrique du Sud. Jusqu'aux États-Unis, quelqu'un de New York, encore la Russie, encore les États-Unis, encore l'Afrique du Sud. Quelqu'un a écrit, homme de Dieu, prophète, choque-nous encore ce soir. Il va vous choquer. Je pense qu'il est bien prêt de vous choquer. Je pense que le volume 1 a béni énormément de personnes. Le volume 1 a béni énormément de personnes et. Nous osons croire que ce volume 2 va bénir encore beaucoup de personnes. Nous avons reçu des messages d'un peu partout, des personnes qui ont vraiment été touchées, bénies, des personnes qui ont vécu ce type d'histoire, dans ce type de mariage, d'autres qui ont eu le courage de quitter, d'autres qui n'ont pas le courage de quitter, mais qui sont vraiment bénies du fait que nous parlons de ce genre de choses. Alors pour les personnes qui nous suivent et que c'est la première fois, nous parlons d'alliance avec mon ennemi. L'homme de Dieu, la semaine dernière, nous a parlé. De Saoul qui avait donné sa fille en mariage afin de piéger David. Nous avons également parlé de Dalila, n'est-ce pas? Non, ils ont parlé de Dalila. Donc nous sommes en train de parler de type de connexion dans la destinée, ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. À quel point il y a certains mariages, certaines unions, certaines relations et connexions ne sont pas du tout dans la volonté de Dieu, mais qui ont été incités par l'ennemi afin de détruire les enfants de Dieu. Comme il y a beaucoup d'anglais, il faudra anglais. So, guys, this will be a French live. Like we said last week, we are speaking actually in French because it's a French live. So, if you want to stay, you can stay, but we will next time, I think in the future, we will make an English life about the same subject. We will talk about that, but we are talking about connections of the destiny
and many more. I'm in the future, I think that we will make an English live. Donc voilà, je m'adressais aux anglophones parce que je vois qu'il y a pas mal des anglophones qui nous suivent, donc je devais quand même. The Holy Spirit, attends, il y a un problème de connexion. The Holy Spirit will help us understand. Amen. Exactly. Amen. Je Yeah. crois que le Saint-Esprit peut ouvrir l'intelligence afin que nos anglophones comprennent. So I believe that the Holy Spirit can connect you guys so that you may understand what we are talking about tonight. And yeah, est-ce qu'on peut commencer? Êtes-vous prêts, homme de Dieu? Est-ce que vous avez un Oui, mot à dire? tout à fait, parce qu'il y a des gens qui continuent à demander qu'ils soient tagués ou quoi, tag-moi, please. Non, ça, je sais pas exactement. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Mais c'est sur mon profil Ouais. Facebook, ils doivent juste cliquer. Ok, d'accord. Il y a maintenant, ça c'est autre Let me chose. answer. Et vous pouvez. Oui. C'est plus au niveau Yeah, de. vas-y. Okay. Alors, je rends grâce au Seigneur pour ce soir, encore une fois, comme le disait la prophétesse tout à l'heure, beaucoup de gens étaient bénis avec ce message sur l'alliance avec mon ennemi. Aujourd'hui, on va prendre le temps aussi d'expliquer le scénario divin. Je vais expliquer pourquoi on parle de scénario, comment les choses se mettent en place, les choses qui sont au ciel déjà et qui doivent se mettre en place ici sur la terre. Et c'est justement ce qu'on appelle prophétique ou rencontre prophétique. C'est une scène qui existait déjà, une scène qui vient du Saint-Esprit, une scène qui est fabriquée par Dieu avant la fondation du monde, qui a été annoncée, révélée même. Et donc, c'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Comment trouver la bonne personne? Comment reconnaître que mon mariage ou bien ce que je suis en train de mes fiançailles viennent du Seigneur? Donc, on va vous donner quelques tuyaux, et ce sont des expériences personnelles qu'on va partager avec vous. Amen. Ouais, je ne sais pas si on peut prier ou quoi. Donc, on va juste prier quelques secondes et remettre ces moments entre les mains de Dieu. Allez-y, homme de Dieu. Alors, je vais inviter chacun de vous à trouver un endroit très calme. Si vous avez des enfants, je sais que ce n'est pas facile, essayez quand même de vous retrouver quelque part, ou bien en général à 7 heures si les enfants dorment déjà, bon, ça arrive que les enfants soient encore éveillés, mais essayez de trouver un endroit calme et on va prier. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. On va prier, on va s'incliner en prière. Notre Père, tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Et par Jésus-Christ, tu nous as libérés. Par Jésus-Christ, tu as libéré ta grâce dans notre destinée, dans notre existence. Et nous croyons et nous savons que ce soir, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ va libérer quelqu'un de l'esclavagisme, va libérer quelqu'un de la prison, va libérer quelqu'un de la malédiction. Et ce soir encore, le Saint-Esprit va illuminer le cœur de tes enfants. Père, je viens bénir ce moment. Qu'il soit sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit et que la révélation libère ton Église ce soir. Nous voulons que tu sois début et fin parce que tu es l'alpha et l'oméga. Bénis ces instants merveilleux par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Yeah, donc que le Seigneur soit loué. Alors, homme de Dieu, sentez-vous libre. Est-ce que je vais encore vous introduire pour les gens qui se connectent ce soir? Je pense Ah que oui, oui. peut-être oui. Alors, Je pour les crois que vous personnes qui nous prenez. suivent ce soir, c'est le prophète Nathan. Je peux même pas dire d'où il est parce qu'il est partout. Bah oui, il est partout. C'est un missionnaire. Il a fait un long moment aux États-Unis, un moment au Brésil, un long moment un peu partout en Europe, en Angleterre, en France. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui bouge beaucoup, au Gabon aussi, en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui Dieu a donné un mandat pour les nations. Je tenais quand même à ouvrir une parenthèse. Lorsque je vois certaines personnes s'autoproclamer prophètes de nations et qu'il n'y a aucune prophétie, aucune parole qui va à l'encontre du ministère que la personne est en train de dire qu'il a, je reste toujours choquée. Je me dis pourquoi ma génération est si pressée de s'autoproclamer et de se donner des titres. Cet homme que vous voyez est très discret. D'ailleurs, même vous le voyez même pas, il n'est pas en train de chercher une quelconque gloire. Mais la majorité des événements que nous sommes en train de vivre dans le monde, c'est une des premières personnes à avoir prophétisé ces choses.
Alors, il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui présidents. Ils étaient à l'époque informes et vides. Il a eu à prophétiser ces choses. Les gens ont douté. Les gens de la famille de la personne ont même douté. Ils ont dit non, ça peut pas être lui. Mais aujourd'hui, la personne est à la tête. Et les gens de la famille ont eu à également honorer l'homme de Dieu et reconnaître la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Donc, pour vous dire qu'il y a prophète et prophète, ce n'est pas parce qu'une personne est très exposée que cela veut dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont plus que lui ou qui font mieux que lui. Dieu a toujours des réserves et il y a toujours des personnes que Dieu utilise dans le secret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous vivons, des choses dont nous avons été épargnés. Il a eu à susciter une personne afin d'intercéder pour nous, de prier pour nous. Et that's why j'aime beaucoup cet homme de Dieu. En ce qui concerne également ma vie, j'ai eu à voir vraiment la manifestation de la gloire de Dieu dans tous les domaines, dans le sens où j'étais beaucoup plus jeune, je ne croyais pas du tout en toutes les prophéties qu'il disait sur ma vie. D'ailleurs, même je ne l'aimais pas, je le détestais. Ça, c'est une des choses que je dois dire. Parce que c'était vraiment quelqu'un, quand il vient directement et commence à bombarder, même en ce qui concerne ma famille, Dieu a parlé et Dieu a exécuté. Donc, le ministère que j'ai aujourd'hui, les voyages que je fais un peu partout dans le monde, c'est une des personnes qui a prophétisé sur ça. J'étais mineure, j'étais enfant. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils me regardent, ils disent, servante de Dieu, Dieu va faire ceci et cela avec toi. C'est facile de prophétiser sur une personne. Vous voyez déjà les fruits. Vous voyez déjà que cette personne, elle prêche. Dieu va utiliser cette personne. Mais il est beaucoup plus difficile de voir quelqu'un, un enfant, informé, vite. Tu sais même pas quel sera son avenir, mais toi, tu te dis que je suis en train de voir que Dieu fera ça, ça et ça avec toi. Et effectivement, je suis en train de vivre ces choses. La raison pour laquelle, quand je vous dis de semer dans ce type d'onction, semer réellement, parce que la grâce de Dieu est dans sa vie et énormément de personnes en cette saison sont en train d'être bénies d'une manière extraordinaire. Moi-même, je peux témoigner de cela. J'étais dans ma période du cache-toi. Je pense que je vais te donner ce témoignage ce soir. J'étais dans la période de cache-toi. J'étais en prière, en prière, en prière. Et voilà, il n'y avait aucun homme de Dieu qui était là pour m'aider, pour me dire comment faire, etc., etc. Et ce n'est que quelques mois plus tard, dans cette période de cache-toi, que Dieu a permis que, bam, que nous nous reconnectons davantage avec l'homme de Dieu. Et à partir de là, Dieu a vraiment fait un travail extraordinaire dans ma vie. Et donc, je vous encourage vraiment à le suivre encore ce soir et à laisser vraiment le Saint-Esprit illuminer les yeux de votre cœur et partagez même encore autour de vous, écrivez des SMS, des messages, invitez un maximum de personnes à écouter cet homme. Moi, je ne reçois pas n'importe qui sur mes plateformes. Je ne suis pas ce type de servante de Dieu qui fait des lives juste pour faire ou qui invite les gens sur sa plateforme juste pour avoir des vues, des likes, pour qu'on voit qu'elle a invité. Tout ce que je fais est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je crois que ce soir, encore une fois, nous avons été poussés par l'Esprit de Dieu afin de recevoir l'homme de Dieu et que il nous parlera en profondeur, en largeur, tout ce que vous voulez. Homme de Dieu, are Yes, I'm you ready. ready? Ok. Sentez-vous libre. Let's Que start Dieu vous again. bénisse. Ok, donc aujourd'hui, je veux encore toucher, on va continuer sur ce point, alliance avec mon ennemi. Croyez-moi, je ne suis pas de ceux qui ont eu la grâce auprès du Seigneur de vivre la théorie. Dieu ne m'a pas fait de cadeau dans ma vie. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par la souffrance. Tout ce qui arrive dans ma vie, je l'ai eu par la souffrance. Je vous explique c'est quoi. En fait, je suis de ceux qui vivent la pratique avec Dieu. Moi, je suis un homme à qui Dieu dit, écoute, regarde ça. C'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Il dit, touche. Je touche, c'est de l'électricité. Et quand je touche l'électricité, je dis, waouh! Et puis là, le Seigneur me dit, bon, tu vois ce que ça fait? Alors, touche pas. Donc, je suis en train de vous transmettre ce que j'ai vécu, ce que je sais. Il n'y a pas de théorie, c'est plus la pratique. Alors, j'ai écrit aussi un livre qui n'est pas encore publié. C'est un des premiers livres que j'ai écrit sur, justement, ça s'appelle Douleur d'un rêve. Je suis en train d'expliquer comment, quand quelqu'un rêve, combien il paye le prix avant que le rêve ne devienne réalité. Sachez une chose, tout ce qui existe, Dieu a déjà fabriqué, Dieu a déjà créé, il n'y a plus de nouveauté. Parce que Dieu est dans le septième jour, dans son sabbat, il ne crée plus. Dieu ne travaille pas. Il est le roi. Donc, ce qui se passe en ce moment,
Ce sont les anges qui descendent pour exécuter, pour emmener sur la terre, dans notre monde, ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Si vous lisez dans le livre de Jean, vous verrez quelque chose. C'est pour ça que je vous parle de ça. Ça concerne justement votre choix de mariage. Vous posez plein de questions. Il y en a qui n'ont pas dormi. Je bénis Dieu pour énormément de gens ont écrit. L'autre fois, tu me montrais des Des messages. Je ne messages. sais pas, c'est des centaines ou je ne sais pas. Oui. Bon, vraiment, bénis soit ceux qui ont. Que Dieu bénisse ceux qui ont expérimenté quelque chose la fois passée, mais on y est. Alors, les anges descendent pour apporter quelque chose de l'entrepôt divin. Il y a un entrepôt chez Dieu où il a déjà tout fait, tout prévu. Et Jésus dit que ce sont des choses qui ont été prévues avant la fondation du monde. Et je veux vous démontrer aujourd'hui que votre choix de mariage, c'est quelque chose que Dieu a déjà prévu. En fait, je veux dire, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie existe. Ne croyez pas à ce genre d'enseignement où Dieu ne se mêle plus de mariage des gens parce que, soi-disant, Adam lui aurait répondu, pourquoi tu as mangé les fruits? Adam a répondu, parce que la femme que tu m'as donnée m'a poussé à le faire. Mais attendez, Dieu ne peut pas sortir de notre vie comme ça. Dieu ne peut pas laisser la destinée d'une personne comme ça en danger. Pendant que Jésus lui-même dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je veux vous démontrer que Dieu s'attend à ce que vous l'appeliez, vous l'invoquiez pour trouver quel est le scénario de votre mariage. J'appelle ça scénario parce que c'est des choses qui existent déjà. Dieu lui-même est le réalisateur. Il a déjà fait le montage de votre vie. C'est un film que lui a déjà fabriqué. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez les prophètes. Quand les prophètes voient l'avenir, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un scénario qui existait déjà. Parce que si ça n'existait pas, ils ne l'auraient pas vu. Ils voient ce qui est déjà fait. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste, la Bible dit, si l'on vous dit que quelque chose est nouveau, ne croyez pas cette chose existait déjà. Et je vais vous démontrer qu'il existe bel et bien un moyen pour vous de trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie parce qu'il existe. Amen, Dieu vous bénisse. Alors, j'ai parlé la fois passée, on a touché ces sujets, je ne vais pas tout répéter, ça va être trop long, mais je prends juste 1 Samuel, la partie de David. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 25. Non, plutôt, je vais prendre l'autre passage, excusez-moi. Je vais prendre 1 Samuel, le chapitre 18. Dans le chapitre 18, vous allez voir, le roi Saül apprend que sa fille Micha est tombée amoureuse de David. Alors, que fait le roi Saül? Il dit, ah, c'est une belle occasion. Je veux donner ma fille à David afin que ma fille soit un piège pour David. Alors, on a expliqué quelque chose de fort. Il y a derrière ce mariage des mauvaises intentions pour faire tomber un roi de Dieu. Quand il dit que je veux donner ma fille à David afin qu'il soit un piège et qu'il tombe sous les mains des Philistins. Posez-vous la question, combien de gens ont des mauvaises intentions aujourd'hui dans notre siècle dans leur mariage? Je veux vous répéter une chose. Le mariage devrait se poser que sur une seule chose, l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour selon la Bible. Quand la Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Donc, le mariage ne doit pas être fondé sur des raisons quelconques, parce qu'il est bien financièrement, parce qu'il est stable, parce qu'il est ceci. Non, l'amour n'a pas de critères. L'amour, c'est comme ça. C'est un feeling, c'est une sensation que Dieu a créée, qu'on ressent dans notre cœur. Et c'est pour ça que quand vous voyez les gens, au lieu de parler de se marier par amour, ils se marient plutôt par attirance, par attraction. Parce que la fille s'habille bien, parce qu'elle a une belle taille. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand la femme n'aura plus une bonne taille parce qu'elle aura 5 enfants après, quand elle aura 5 enfants, elle n'a plus la taille qu'il faut, mais le gars, puisque son mariage était basé, fondé sur l'attraction de la taille de la femme, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera plus attiré par la femme. Vous voyez que ce n'était pas de l'amour. Or, l'amour supporte tout. Donc, que ma femme soit grosse, qu'elle soit petite, mais si j'aime la personne de ma femme, je n'ai pas besoin de regarder ailleurs. Qu'elle ait 5 enfants ou que sa taille change, je l'aime, elle. Et je veux attirer aussi l'attention de certaines personnes qui vivent aujourd'hui dans les mariages, soi-disant parce que je l'ai fait pour mes enfants, je reste pour mes enfants. En attendant, elle est bien malheureuse, encore plus malheureuse que le peuple d'Israël en Égypte.
Donc, une véritable esclave. Mais elle dit que je reste quand même pour mes enfants. Oui, mais attends, quand tu as aimé le gars, il n'y avait pas d'enfant. C'est pour ça que je dis l'autre fois que le premier fruit dans un mariage, le premier fruit dans une connexion qu'on appelle l'union sacrée de mariage, le premier fruit, c'est le bonheur. Il y a d'abord le bonheur qui doit prouver que ce mariage vient de Dieu. Et après le mariage, il y a les enfants. Les enfants ne peuvent pas précéder le bonheur. C'est pas possible. Okay. Parce que si tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec la personne. C'est parce que tu l'aimes, parce que tu as reçu ce mariage. J'ai vu un peu le message que comment tu répondais aux jeunes filles, à certaines personnes qui sont tellement malheureuses, mais qui continuent de s'accrocher avec ces gens-là. Relation toxique, toxic boy. Non, mais ils m'aiment. Bon, oui, mais ils t'aiment, mais en tout cas, ce qui te présente, c'est pas la même chose. Hein. Écoutez, les femmes, écoutez-moi très bien. Vas-y, homme de Dieu, dis-nous tout. Un homme qui se présente devant toi, si on retourne dans la parole de Dieu, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce gars peut donner son sang pour toi. Mais si tu regardes ton gars dans les petites choses déjà, même pour porter ton sac là, quand les choses sont lourdes, c'est lui, en fait, au contraire, c'est toi qui portes des sacs lourds quand vous venez du supermarché. Lui, il est avec son téléphone pendant que toi, tu portes des sachets qui pèsent lourd, mais lui, il est au téléphone. Tu crois que c'est un gars comme ça, vous allez me dire, c'est peut-être pas parce qu'il n'est pas bien élevé. Non. Ça, c'est des tout petits signes. Mais si tu rentres dans son esprit, tu vas comprendre que ça fonctionne avec. Et le problème que les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils passent leur temps dans l'espirituel. Parce que mon pasteur nous avait dit qu'on est fait pour être ensemble. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Voilà, on a reçu des révélations qu'il fallait vivre ensemble. Mais je suis désolé, le pasteur a vu ça, c'est bien tout ça. Mais vous négligez l'aspect psychologique, vous vous basez que sur l'aspect spirituel. Comme à l'église, les intercesseurs ont prié, tout le monde a confirmé que oui, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Mais attendez, l'aspect psychologique est très important. Même si vous avez reçu des révélations, il y a un moment où vous pouvez quand même essayer de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. C'est ça où le moment où vous connectez l'aspect psychologique. Pourquoi l'aspect psychologique? Parce que vous apprenez à connaître votre partenaire, comment il réagit, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça va vous éviter les disputes inutiles. Combien de couples j'ai vu, ils s'entretuent juste pour une espèce de cuillère? Juste parce que la femme a acheté une marque qui n'existe pas, que l'homme n'aime pas. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ils n'ont pas fait attention à ça. Ils n'ont pas traité les côtés psychologiques. Grave. Je veux continuer. Ok, je veux y aller. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est fort. Je veux revenir là-dessus. Il faut revenir sur ça. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a énormément de problèmes dans l'église au niveau des couples. Les gens sont malheureux, en fait. Et parce tout est question de paraître. Moi, je trouve, sincèrement, je dois partager ça. Oui. Je connais une servante de Dieu qui a été mariée avec un prophète. Vraiment, vous les voyez. Même les gens ont commencé à dire, oh, waouh, je veux trop un mariage comme ça. Donc, tout le monde est en train de les envier. Ils s'habillent tout le temps pareil. Ils sont toujours en mode top. Mais à un moment donné, on a appris, ils se sont divorcés. J'ai eu l'occasion de parler avec la femme. J'ai dit, mais attends. Wow. Toutes les photos que j'étais en train de voir de vous deux, toujours bien habillés, toujours ensemble, main dans la main, les photos. Elle m'a dit, à un moment donné, je commençais à m'habituer à ça. Donc, elle jouait un rôle. Mais dans le mariage, l'homme la trompait tout le temps. Tout le temps. Et elle était en train de maigrir. Mais quand tu la vois devant les gens, elle est en train de sourire. À un moment donné, elle s'est dit non. Après 2 ans de mariage, elle a dit je divorce. Waouh. Elle, au moins, elle a eu le courage. En fait, on vous encourage pas de divorcer, hein. C'est vraiment votre vie. Mais je me dis, il y a certaines personnes, il y a d'autres femmes, par exemple, elles se sont dit non, moi, je peux pas continuer dans un mariage comme ça. Mais il fallait les voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde était en train de partager. Tout le monde. Et on voit énormément de couples comme ça. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas à envier le couple des gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans le secret. Exactement. Tout est question. Aujourd'hui, avec la génération des réseaux sociaux, c'est pour ça, moi, je vous ai dit, avant-hier, j'ai dit, mon mariage, mon couple, je ne veux pas un couple de post-bed, réseaux sociaux où on s'affiche pour tout et rien, les photos par-ci, par-là, etc. C'est le paraître. Il y a une vie hors les réseaux sociaux. Et ceux qui sont tout le temps là à vouloir tout exposer, que tout va bien, c'est justement les personnes qui vont le plus mal, la plupart, la majorité. Il y a un problème dans le couple. Parce que vous êtes trop dans le paraître, vouloir montrer que vous êtes heureux. Et il y a même un homme qui a dit, quand je trompe ma femme, je dois toujours poster une photo d'elle et moi pour camoufler.
pour camoufler. Imaginez le degré, en fait. Et vous, vous êtes là, vous regardez ce couple, vous regardez, oh waouh, son mari lui a fait ça, oh waouh. Ça sert à rien d'envier la vie des gens parce que la plupart des femmes sont en train de souffrir dans le mariage. Et cette servante de Dieu m'a dit, le Seigneur me donnait des signes, ne l'épouse pas. Et elle a été têtue, elle a dit non, il va changer. Nous les femmes, le problème c'est quoi, homme de Dieu? Quand on aime, on devient sourde. Quand on aime, on devient aveugle. Même quand quelqu'un vient nous dire c'est la mauvaise personne, il faut pas, il faut pas, il faut pas, on va toujours croire que la personne est jaloux de nous. Juste quand on commence à chercher des jaloux, vous mettez des statuts, j'ai tant, vous êtes jaloux. Personne n'est jaloux de toi en fait. Personne ne peut être jaloux d'un toxic boy. Personne. Il y a certaines copines à moi, elles étaient fiancées à des gars, je faisais des songes et Dieu me disait va leur parler. Je suis allée parler. Je suis sortie pour la copine en mode jalouse, mais elles ont vécu les retombées comme pas possible. Vous voyez, homme de Dieu? Donc, ce genre, ce type d'enseignement, les pasteurs, désolé de le dire, ils ne vont jamais le prêcher parce qu'eux-mêmes, ils aiment arranger les mariages. Ça, c'est encore un autre point. Voilà. Parce que c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure d'ailleurs. On va y arriver. En tout cas, ce que la prophétesse dit, c'est ça. Le problème de deux personnes, de l'union de deux, vous savez quoi? C'est vous qui vivez le mariage. Les gens qui vous disent reste ou bien ne reste pas. C'est pas eux qui vivent. Le mariage est la chose que c'est une chose que toi tu vas expérimenter et personne malheureusement ne peut l'expérimenter à ta place. Alors maintenant je voulais dire ceci. David se retrouve avec une femme Michal. Son nom signifie déjà égal à Dieu. Exactement. Et je vous ai expliqué quelque chose. David a une alliance avec Dieu. L'alliance de David avec Dieu, c'est chanter pour le Seigneur, danser pour le Seigneur. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de David. C'est son alliance avec Dieu. Et je vous ai dit, quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, quelqu'un qui vient comme un ennemi, un agent de Satan, que le diable emmène dans votre vie pour être partenaire, la première des choses qu'il va faire, comment le diable va l'utiliser, c'est de vous forcer à ne pas respecter l'alliance que vous avez avec Dieu. C'est exactement ça. Donc, la personne va toucher l'alliance que vous avez avec Dieu. Regardez dans le cas de Samson, c'est ça ce que Dalila a fait. Aller toucher les secrets de cheveux pour que Samson coupe les cheveux. Mais regardez Mika, son nom qui signifie égal à Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas être égal à Dieu. La première personne qui a essayé d'être égal à Dieu, c'est Satan. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été humilié. Il a été précipité sur la terre. C'est de l'orgueil. Cette femme, Mika, avait l'orgueil comme signifie son nom, comme le dit son nom Mika, c'est-à-dire égal avec Dieu. Ce n'est pas dans le bon sens que c'est la nature de Dieu. Non, Saül avait beaucoup d'orgueil dans son cœur. Et voilà pourquoi sa fille a porté le nom d'égal avec Dieu. On n'est pas égal à Dieu. La Bible déclare que Jésus lui-même ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Jésus. Ah, il s'est présenté inférieur à son père. Alors maintenant, toi, Mika, toi, tu veux être égal avec Dieu. Alors écoute-moi bien, toi qui es Mika, je te parle à toi. Toi qui es Mika, si tu es une mauvaise femme, tu es Mika, tu as de l'orgueil, crois-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mika a été frappée de stérilité. Elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Si tu es Mika, tu pousses ton mari dans l'orgueil. Si tu es Mika, tu veux toujours forcer ton mari ou bien votre couple, vous voulez vivre au-delà même, c'est-à-dire vous avez une très forte opinion de vous-même. Vous voulez vivre au-delà de vos moyens, c'est-à-dire vous êtes des gens très orgueilleux. Il y a des gens, des hommes, il n'est pas mauvais. Mais sa femme, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme, une grande dame, il y a des femmes qui poussent leur mari dans le péché. Il va essayer de forcer son mari à vivre dans l'orgueil, puisque elle-même est orgueilleuse. Regardez ce que Mika fait, il a fait la même chose. Il a dit à David, mais toi, un roi comme toi, comment tu peux danser comme ça devant le peuple? Comment tu peux danser comme ça? C'est-à-dire qu'il dit à David, mais toi, tu ne peux pas danser comme ça, ton niveau. Et David était un homme humble. Vous voyez la différence entre elle et David? Donc David, dans son alliance avec Dieu, il devait marcher dans l'humilité et s'humilier devant son créateur. David a dit, je danse devant celui qui m'a établi roi d'Israël. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, un agent, la première chose qu'il va faire, il va toujours vous forcer à ne pas respecter l'alliance que vous avez avec Dieu. Même vos temps de prière, il va toujours interrompre ça. Comme par hasard, toujours quand vous devez entrer en prière, c'est là où il y a des histoires. Et si tu es Mika, je t'assure qu'aujourd'hui, en écoutant tes messages,
Va te repentir. Si tu as forcé ton mari à faire des choses qui ne sont pas bien et qui touchent son alliance, et que ton mari, par amour, il a peur que tu partes, que tu l'abandonnes avec les enfants, il te fait plaisir, mais tu l'as fait tomber dans quelque chose qui a touché son alliance avec Dieu, aujourd'hui tu vas te repentir. Tu vas lui parler et tu vas te repentir sincèrement devant le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te frappera de stérilité comme il a fait avec Micah. La parole de Dieu est un exemple. C'est une illustration de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. C'est comme ça qu'il réagit. Dieu montre son caractère. Vous savez quoi? Dieu peut tout faire. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. On dit que tout est possible à Dieu. Mais moi, je vois, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Comme par exemple, élever un orgueilleux. Dieu ne peut pas faire ça. Il rabaisse les orgueilleux. Donc, si tu es orgueilleux, je suis sûr que Dieu... Même s'il peut tout faire, mais il sera impossible pour Dieu de t'élever. Il va te rabaisser et il va te frapper de stérilité. Si tu es Micah, aujourd'hui, ce soir, ce message est pour toi. Repends-toi et rabaisse-toi. Il y a des femmes avec une telle orgueil que tu ne peux même pas faire quoi que ce soit dans la maison. Elles contrôlent tout le système de la maison. Homme de Dieu, même tu as oublié la catégorie de... de femmes qui ne sont pas encore mariées, oui. Mais qui ont déjà cet esprit-là en elles. Voilà. À la chasse, en plus, ce type de femmes sont toujours à la chasse des hommes de Dieu. Oui. Toujours à la chasse des hommes de Dieu pour faire tomber les hommes de Dieu. Donc, c'est elle qui a cherché l'homme de Dieu. Elle se cache derrière des « il m'a violé, il a abusé de moi, il m'a fait ceci ». Toutes ces femmes-là, je ne dis pas que toutes, mais nous sommes aujourd'hui dans une génération des jeunes filles. Quand elles voient un homme de Dieu, Dieu est en train d'utiliser... C'est ça sa proie. Elle va tout faire pour se connecter à l'homme de Dieu. Même d'autres, elle va commencer à vouloir servir dans un département, dans le ministère de l'homme de Dieu, ou soit se mettre sous la couverture de l'homme de Dieu. Là, mais derrière, elle a un objectif bien précis, c'est faire tomber l'homme de Dieu. Elles sont comme ça, à le pousser dans le mal, à le pousser à ne plus vivre dans la sanctification, à étouffer sa vie de prière. Il y a un esprit. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui doivent passer par la délivrance, homme de Dieu. Elles doivent se repentir et passer par la délivrance. Alors, maintenant, je veux vous emmener quelque part encore. Regardez. Yeah, vas-y. Là, je viens de parler des femmes. Bon, en tout cas, je veux toucher un point très important. Maintenant, je vais parler des hommes. Okay. Je parle de femmes, je parle des hommes. Ici, l'objectif, c'est qu'avant que Jésus ne revienne, beaucoup de couples doivent être restaurés et beaucoup de ceux qui ont besoin de faire un choix dans leur vie doivent faire très attention. Vous savez quoi? La vie est un problème de choix. Vous devez identifier le choix divin pour votre destinée. Chaque décision que vous prenez est une fondation que vous posez dans votre vie. Chaque décision, les études, le travail, le mariage, c'est une partie de la fondation, c'est une colonne que vous posez. Et le mariage représente cette colonne principale dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi quand le mariage s'écroule, on est affecté spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, sur tous les plans. Parce que c'est une fondation principale. Donc, on ne joue pas avec ça. Alors, je vous le répète encore une fois, n'écoutez pas ce message où on vous dit « Oui, mais trouve ton partenaire ou ta partenaire et Dieu va bénir. » C'est n'importe quoi. Sinon, Jésus ne nous aurait pas demandé de demander que ta volonté soit faite. Alors, allons dans le livre rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. On va lire l'histoire d'un type qui s'appelle Nabal et sa femme, vous la connaissez très bien, c'est Abigaïl. 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 22. Donc, je répète, 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 22. La Bible déclare ceci. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, Abigaël c'est la femme de Nabal, lorsqu'elle aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. La faute était à son mari, Nabal. Mais la femme dit non, c'est à moi la faute. Elle porte la responsabilité. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Son nom signifie Nabal. En fait, Nabal signifie folie ou insensé. Et il y a même des expressions très vulgaires qui disent c'est imbécile, idiot. C'est ça ce que signifie Nabal.
Regardez ce qui s'est passé ici. La femme voit la bêtise de son mari. Qu'est-ce que fait la femme? Elle n'a pas commencé à appeler sa belle-mère pour commencer à tout raconter. Elle n'a pas appelé sa sœur pour commencer à dire, regarde le comportement de mon mari. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Dès qu'il y a un souci à la maison, téléphone, copine, maman ou je ne sais qui. Il y a des femmes comme ça. Elle est incapable de simuler. Regardez un peu ce qui s'est passé. La femme s'est humiliée devant qui? Devant David. David est l'image de Jésus-Christ. L'image parfaite de Jésus dans la Bible, c'est David. L'homme selon mon cœur. Cette femme s'est humiliée devant Dieu. Elle a pris la faute de son mari. Elle a couvert son mari. Mais elle ne l'a pas exposé. Mais il y a encore une situation. Malgré la femme, malgré l'amour de sa femme, donc cette femme, Abigail, Nabal qui signifie folie. Abigail, qu'est-ce qu'il fait? La démarche d'Abigail, c'est bien. Mais vous savez, Dieu reste le juge. Si vous êtes un homme et que vous êtes un Nabal, vous vivez dans la folie à chaque fois. Il est temps de vous repentir. Parce qu'il y a des hommes qui sont des Nabals, qui font toujours des folies et qui emmènent des problèmes à la maison. Et c'est la femme qui doit en souffrir. Et si vous êtes un Nabal, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a fini par tuer Nabal. David a refusé de le tuer. Il a écouté la femme. Mais comme l'homme était déjà en infraction devant Dieu, Dieu lui-même est venu tuer Nabal. Alors résultat, Abigail est devenue la femme de David. Je veux vous dire quelque chose. Si vous êtes un homme, vous faites souffrir votre femme comme ça. Comme on dit en français, vous êtes un salaud, un salopard. Laissez-moi utiliser parfois des expressions si vulgaires. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchants. Il y a des hommes qui sont tellement méchants. Heureusement, ce n'est pas moi. Moi, on va me screen vidéo. Non, moi, vous me screenez si vous voulez. Et puis, vous m'appelez si vous voulez, je vais vous expliquer. Donc, il y a des hommes qui sont... Il y a des hommes qui sont... tellement méchant. Et si tu es Nabal, si tu es Nabal, écoute-moi très bien ce qui va t'arriver. Si tu es Nabal, Dieu va te tuer. Et là, la mort dont je te parle, c'est pas la mort physique. C'est pas seulement la mort physique. Dieu va t'effacer de l'environnement de cette femme-là qui est Abigail. Dieu va t'enlever de là. Il va te retirer de l'environnement de sa fille que tu fais souffrir. Est-ce que tu trouves ça normal? Et en plus, tu vas à l'église et tu lèves les mains et tu es guitariste et tu joues dans une chorale. Il modère même le culte. Mais tu es méchant envers les femmes. J'ai constaté quelque chose. J'ai eu à arranger certains problèmes chez mes enfants spirituels. Et tous mes enfants spirituels savent que je ne rigole pas avec les couples. Ils sont là. Je plaisante pas avec ça. Jamais. Et donc, je comprends même que moi-même, je n'ai pas été dur envers moi-même, mais je suis trop dur envers mes enfants. Voilà. Et ils peuvent vous le témoigner. Il y a mes enfants à qui j'appelle une fille, je dis, écoute, depuis quand tu ne fais plus l'amour à ton mari, hein, je le fais. Et je ne plaisante pas avec ça. Ah, c'est vraiment, il faut me suivre ce que je suis en train de dire. Je suis parce avec que, vous. Oui. Parce que c'est ça. Il y a deux choses qu'on ne refuse pas à son mari. Son corps et c'est la nourriture. Biblique. C'est biblique. Suivez-moi bien les femmes, suivez-moi. Deux choses qu'il ne faut jamais refuser à son mari. Ton corps et la nourriture. Parce que le jour où il va refuser de regarder ton corps là, tu vas souffrir. Tu pourras beau faire tes cheveux, mais il ne va rien remarquer. Les jours où tu vas faire la table là, comme il aime manger là, tu fais la table comme il faut correctement, mais il refuse de manger, il monte dans sa chambre, tu vas souffrir. Donc, ce sont les deux choses qu'il faut jamais refuser. Ça, c'était une parenthèse. Je continue. Je suis ceux qui me connaissent. Ça, pourquoi je suis grave content. C'est pas moi qui parle. FC Twitter. C'est pas moi du tout. La sauce. Écoutez. Le problème c'est que les guerres avec le système, j'ai grandi là-dedans. Mes premières persécutions. Contre le système, même contre le gouvernement, j'avais 17 ans et demi. Allez demander à mon père spirituel, l'archibishop Kaleta au Congo. Donc, le système, là, je connais. Moi, mon problème, c'est que je ne veux pas que Dieu me persécute parce que je refuse de dire la vérité. Mais dis-nous tout. Pardon. Donc, je vais parler. Alors, je continue. Continue. Donc, je disais ceci. Si tu es Nabal, tu es un homme qui vit dans la folie, tu fais souffrir ta femme, là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te tuer comme il a tué Nabal. En fait, il va t'enlever de l'environnement de cette femme. Et la femme
il va la donner à un David qui va mieux la traiter. Voilà. Parce que David est l'image de Jésus qui peut donner sa vie pour sa femme. Mon David est là, donc je le salue. Hi David, ça va chérie? Faut que je le salue, non? Oui, salue-le, après on demandera la dot excessive. Voilà. Obligé. Donc, je suis en train de dire ceci. Si tu es un Nabal, fais attention. Dieu finira par t'arracher. Oui. Il va t'arracher Abigail parce qu'Abigail, c'est une femme exceptionnelle. Mm. C'est le genre de femme qui voit les dangers de loin, comme un homme sage voit le mal de loin et il fuit, il évite. Donc Abigail, c'était une femme sage qui bâtit sa maison. Et elle a vu le danger, elle a essayé de bloquer la malédiction qui arrivait. Mais malheureusement, Dieu est le juste juge. Il ne faut pas jouer avec David. David, on ne joue pas avec lui. Dieu intervient tout de suite. Donc si toi, tu ne traites pas bien ta femme, Abigail, la grâce que tu as, homme, que tu sois homme de Dieu ou qui que tu sois. Mais si tu ne le fais pas, Dieu va t'arracher cette Abigail, il va la donner à David. Mais même ceux qui sont en mode juste, they are dating, enfin, on ne peut pas dire copain-copine. Nous, après, ce n'est pas le terme que les chrétiens TTS aiment utiliser, mais j'utilise quand même. Même quand vous êtes en mode copain-copine, tu es avec une femme pendant, franchement, ces dernières semaines. C'était que ça, en fait. La plupart des filles sont en train de souffrir à cause des hommes comme Nabal. Donc, en gros, il n'a même pas encore épousé l'enfant des gens. Mais la fille, elle pleure pour toi comme pas possible. Guys, je vous ai dit, une fois comme ça, il y a un garçon, il m'a fait pleurer. Ma mère, elle m'a dit, c'est pas lui ton mari. Coupe. Mais moi, je disais, non, maman, il va changer. Heureusement. Et heureusement, j'ai lavé mes mains, je suis partie. Déjà, on n'est même pas encore mariés et tu te comportes comme ça. Et dans le mariage, c'est pas le mariage qui change une personne. C'est pas le mariage. Moi, comme j'ai dit dernièrement, un impudique hors mariage devient un adultère dans le mariage. Period, en fait. Vous n'avez pas à me dire que non, il va changer. T'es pas le Saint-Esprit pour changer la personne. T'es pas le Saint-Esprit. Beaucoup de jeunes filles de ma génération, vous êtes tellement aveuglées par l'amour, vous aimez le gars. Combien de filles n'ai-je pas conseillé? Ces derniers jours, j'ai dit, quitte, il ne t'aime pas. Comment quelqu'un peut faire des jours sans te parler et il est à l'aise? Et il est à l'aise. Ouais. Et il revient. En fait, il vient, il part. Comme un langage des jeunes dit, est-ce que tu penses que mon cœur est un open bar? Donc, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars quand ça t'arrange, tu pars, quand ça t'arrange aussi, tu reviens. Et énormément de jeunes filles, elles aiment être dans ce genre de relation toxique. Mmh. Et quand il y a un homme vraiment qui vous aime, un David, vous préférez rejeter David pour Nabal. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont comme ça. Ouais. Donc, un homme sérieux va venir se présenter. On va dire non, je ne veux pas de lui, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais celui qui te maltraite, il te parle mal, il t'insulte, il te compare à d'autres filles. Son devoir, c'est tout le temps te rendre jalouse, te faire pleurer. Il n'en a rien à foutre de toi, tu restes là. Mais franchement, avant la fin de cette année, si je dois briser des couples, des fiançailles, parce que vous n'êtes même pas encore mariés, je vais les briser. Tu ne peux pas, en tant que femme, pleurer pour un homme qui t'a même pas encore épousé. On est bien d'accord. La seule fois où moi je t'autorise de pleurer, c'est dans la présence de Dieu quand t'adores. Pas parce que t'as un homme qui ne connaît même pas ta valeur. Il te traite comme une chose. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils traitent les femmes pour une chose, c'est des pervers narcissiques. Donc il va jamais s'humilier. Il va jamais s'excuser. Il va toujours mettre la faute sur il toi. Il n'a jamais tort. Voilà. Il renverse toujours la situation, même si c'est lui qui a créé le problème. Il veut dire que c'est toi. Et puis, tu commences à te rabaisser, à demander des pardons, à pleurer pour lui. Et il est content. En fait, ça nourrit son orgueil d'homme. Voilà. On a beaucoup de jeunes garçons, même parmi les chrétiens, qui sont comme ça. Oh. Homme de Dieu, on doit en parler. On va en parler. On va en parler. En fait, l'objectif ici, vous savez que ce message, ça ne finit pas. Donc, on attend que le Saint-Esprit nous dise stop et on stoppe. On va continuer, on va aller en profondeur jusqu'à ce que... Aujourd'hui, je vais vous démontrer ce qu'on appelle le scénario divin. Avant d'arriver là, je vais encore vous donner un exemple. Parlons de Éléazar, serviteur d'Abraham. Vous pouvez trouver ce texte, je ne pense pas qu'on aura le temps de lire. Éléazar, on peut trouver ce texte dans Genèse chapitre, on va prendre le chapitre 24. Éléazar, serviteur d'Abraham, il était même considéré comme fils d'Abraham, mais c'était son serviteur. À partir du verset 24, Genèse chapitre 24, à partir du premier verset plutôt. Genèse chapitre 24, à partir du premier verset. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, donc Éléazar, qui était l'intendant de tous ses biens,
mets ta main sous ma cuisse et je veux te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu de quelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, dans ce pays-ci. Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. » Enverra qui? Lui-même son ange devant toi. Regardez le scénario. Dieu, Abraham parle à son serviteur d'aller choisir une femme pour son fils Isaac. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que Dieu va envoyer un ange. Mais pourquoi l'ange descend? Pour satisfaire le gars? Non. L'ange descend pour veiller sur la volonté de Dieu, pour valider la volonté de Dieu, pour confirmer la volonté de Dieu. Donc, quand on parle d'alliance avec mon ennemi, ce sont des rencontres qui ne sont pas prophétiques, mais ce sont des rencontres arrangées par Satan, un démon. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont utilisés par le diable au niveau de mariage pour induire les autres dans l'erreur. Attention quand vous faites des connexions. Évitez souvent ce genre de choses-là. Oui, je vais te présenter à mon ami, je vais te présenter à ma copine, je vais te présenter à ma soeur. Parce que quand ça va tourner mal, tu seras responsable. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, on peut avancer. On va prendre le verset 14. Non, je prends plutôt le verset 11. À partir du verset 11. Il fit reposer le chameau sur les genoux, près d'un puits. Là, on parle de Léazar. Il est parti comme Abraham le lui avait demandé. Donc, il fit reposer les chameaux sur les genoux de... près d'un puits à l'extérieur de la ville, c'était le soir. Le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent, il dit, « L'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Avant de faire le choix, regardez bien, c'est même pas son choix à lui, Éléazar. C'est le choix de quelqu'un d'autre. Mais il intercède pour que Dieu intervienne dans ce choix qui n'est même pas sa femme. Regardez combien Abraham craignait Dieu. Combien de gens avant de conseiller les autres prennent le temps de dire, Père, je veux parler à ma soeur et à mon frère, inspire-moi. Combien de gens le font? Ou tu vas conseiller en fonction de ce que toi vous tu as vécu. Vous êtes beau ensemble. Vous allez bien ensemble. Oh, il prêche, vous êtes tu mignon, chantes. Vous êtes mignon. Vous êtes un beau couple apostolique. That's true, en fait. Non, mais vous, franchement, tout est question de... Vous êtes mignon. Comme là, je viens de voir quelqu'un me de commenter. Vous êtes beaux ensemble. Ah oui? Oui. Oh, là, là. C'est ça, ce type de personne. Vous êtes beaux ensemble. Et puis, il y a des personnes comme ça, tellement ils reçoivent ça sous leur photo, avec juste un ami. Vous êtes beaux ensemble. Mais mettez-vous en couple, mettez-vous en couple. Ils vont se mettre en couple. Et puis, les choses se passent mal à cause de vous. That's the truth. Combien d'amis n'ont pas mal conseillé leur copine? Oh, des sœurs, oh, tu vas bien avec mon frère, se met avec le frère, mais elle est en train de souffrir dans le mariage. C'est ça. Et la personne, donc, c'est toi qui a suggéré, tu portes le sang de ce qui s'est en train de se passer. Yeah, for real. Donc, le verset 13, regardez. Voici ce que je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alors, les hommes de Dieu, les chrétiens, je ne sais pas qui, tous ceux qui sont en train de répondre le bruit, qu'il n'y a pas de femmes de destinée, ou il n'y a pas des hommes de destinée, ils doivent se repentir. Parce que la Bible parle, la Bible est claire. On voit un ange qui descend pour accompagner, en fait, en sorte que le choix soit un choix divin. Deuxièmement, on voit la confirmation. Éléazar qui prie, il dit que ce soit la femme que toi, Dieu, tu as destinée. Donc, il existe bel et bien la femme de la destinée ou l'homme de la destinée. Alors, il faut arrêter de nous donner des messages qui viennent de je ne sais où là. Si tu continues à arranger les mariages comme ça dans ton église, Dieu, un jour, le Saint-Esprit, te le fera payer même avec tes propres enfants.
Mariage arrangé par des pasteurs. Et attendez, je vais vous raconter une histoire vraie qui est passée jusque dans les journaux en Belgique. Oh, God. En Belgique, s'il vous plaît. Mais l'auteur, la personne qui a dit que non, Dieu a dit vous devez vous marier, c'est un pasteur. J'ai même pas besoin de dire son nom. Il a dit à la femme, Dieu me dit, c'est lui le frère qui est dans l'église là, c'est lui ton mari, vous devez vous marier, etc., etc. Encore nous, les filles à daddy. On aime trop tout ce que Daddy dit. On exécute, on consulte pas Dieu. Et pourtant, nous-mêmes, on doit développer l'écoute à la voix de Dieu. Donc, la fille, elle écoute son daddy qui lui a dit, c'est lui ton mari, vous devez vous marier. Actuellement, la femme, son visage, ce qu'elle était avant et ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme a fait? Tellement la femme, elle souffrait dans le mariage, elle a préféré rompre, elle a préféré divorcer. Il est venu un matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous raconte parce que c'est dans les journaux. Je peux même vous mettre l'article encore. L'homme est venu devant leur enfant. Il a jeté l'essence sur la femme. Il lui a mis je ne sais pas combien de coups de couteau. Il a allumé un briquet et elle était en train de brûler devant leur enfant. La femme, elle était déjà complètement, carrément morte. Elle était dans un long coma. Heureusement que sa mère, c'est quelqu'un qui prie. La mère, elle a prié des heures et des heures. Et ensuite, on lui a mis dans un coma. Elle-même, elle témoigne de ça aujourd'hui. Elle conseille les jeunes filles. Ses mains, tu vas même plus reconnaître que ça, c'est des doigts. Son visage, et pourtant, il y en a tant. Homme de Dieu, c'était une belle femme. Quand je vous dis belle, belle, mais aujourd'hui, tout ça parce qu'il y a un pasteur qui s'est réveillé un matin pour ses propres intérêts, qui a dit à la sœur, Dieu m'a dit, c'est ton mari. Je connais beaucoup d'églises en Belgique, un peu partout, qui arrangent les mariages. Ils sont là. Il va voir la sœur et le frère pour garder les personnes là dans leurs églises pour leurs propres intérêts, pour l'avancement de son business dans l'église. Il les garde là. Moi, j'étais dans une église où le pasteur m'oblige à épouser un frère parce que moi j'avais dit non, je peux pas me mettre en couple avec lui. Les gens de l'église commençaient à me dire, t'as vu maintenant il a quitté l'église, il fallait seulement te marier avec lui. J'ai regardé la tontine, j'ai dit, are you kidding me en fait? D'où moi je vais accepter le mariage à cause de vous pour votre intérêt personnel parce que le frère il modérait à l'église, il conduisait l'intercession. Moi je tombe pas dans ce genre de piège, mais vous êtes nombreuses ici. Quand le pasteur vous appelle dans le bureau, tu vois le frère là, il a l'argent, hein? Si tu te maries avec lui, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Mais c'est même pas dans la volonté de Dieu. Même si il te dit en plus, même si tu ne l'aimes pas maintenant, tu vas commencer à l'aimer. Ça se passe pas comme ça. Moi, quand je vois quelqu'un, mon chéri, dès que je l'ai vu, j'ai fait, je ressens quelque chose. Il n'y a pas eu un pasteur qui est venu me dire, tu vas commencer à l'aimer. L'amour, c'est pas comme ça. Personne ne peut te dire, tu vas commencer à l'aimer. En fait, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais les gens qui commencent à vous forcer, non, mariez-vous seulement, c'est dans la volonté de Dieu. Surtout ceux qui viennent tout le temps nous mentir là. Restez seulement, il va changer. C'est dans la volonté de Dieu, c'est pas dans la volonté de Dieu. Laisse l'enfant des gens parce que tu n'accepteras jamais qu'on cogne ton enfant comme on cogne l'enfant de l'autre. Ah oui. Mais c'est la vérité. Ouais. Nous, actuellement, on a entendu les polémiques comme soi-disant, on est en train de critiquer les pasteurs. On critique personne. Mais chaque homme de Dieu qui se sent piqué par ce message doit se remettre en question. Tu ne peux pas être celui qui arrange les mariages. C'est devenu Cupidon. Non, sérieusement, c'est devenu Cupidon, celui qui lance la flèche et puis bam. Non, à un moment donné, il faut s'asseoir et laisser les gens eux-mêmes faire leur choix. Quand ils viennent vers toi en tant que pasteur, prends le temps de prier avant de bénir leur mariage. Mais attendez, mais écoutez-moi bien. Regarde la mère prophétesse, regarde. Dieu va créer Ève. Il finit de créer Ève. La Bible dit quoi? Il l'emmena devant Adam. C'est tout ce que la Bible déclare. Mais on n'a pas vu quelque part où la Bible dit Dieu parla du haut des cieux et dit, Adam, tu aimeras Ève. Jamais. Yeah, jamais. On n'a pas vu quelque part où Dieu a rendu le cœur d'Adam Never. amoureux. Jamais. Never. Il a juste emmené Ève. Parce que Dieu connaît ton choix. Dieu sait ce que tu aimes. Donc, il se fabrique quelque chose pour toi. Il n'a pas besoin de forcer. Il sait que tu vas aimer. En tout cas, je crois que Homme de aujourd'hui, on va Dieu, s'arrêter là. la dernière chose que j'aimerais dire, I have to tell this. Il y a une fille que je connais. On a fait asseoir sa maman et elle dans le bureau des anciens de l'église. Pourquoi? Parce que son fiancé n'est pas de cette église-là. Depuis quand on est obligé d'épouser que les gens de notre église? C'est une secte.
On est bien d'accord que ça devient une secte. La femme a le droit d'avoir un fiancé qui est de l'autre, d'une autre église. L'homme de votre église, même si c'est un pasteur, un ancien, il est je ne sais pas qui dans l'église, il a le droit d'avoir une femme qui est dehors. Arrêtez de nous dire de oh, parce que c'est les enseignements ici, etc. Ça n'a rien à voir avec les enseignements. C'est juste que vous voulez arranger des mariages pour les intérêts que vous avez par rapport à cette église. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes des prophètes. Nous, nous ne sommes pas des pasteurs où on s'occupe des bréviers. On n'a pas appelé à ça. Nous, on est des prophètes. On est la bouche autorisée de Dieu. On vient, on parle. Que ça plaise ou pas, on a parlé et puis basta, on passe à autre chose. Comme vous êtes là, si un pasteur, votre père spirituel vient te dire tu es obligé d'épouser quelqu'un de l'église, quitte l'église. Quitte. Quitte, franchement, il faut fuir même. C'est une secte. On ne peut pas t'imposer un mariage. On ne peut pas. Parce que lui-même, ce qu'il est en train de faire, il ne voudra jamais qu'on fasse cela avec sa propre fille. Et aussi, vos mamans qui sont toujours en mode le pasteur a dit, je prie que vos mères soient délivrées. Parce qu'il y a des mamans, tout ce que le pasteur va dire, c'est ça qu'elle va exécuter. Il n'y a même plus, oh Dieu m'a dit. Non, pasteur a dit, on doit faire comme ça, donc on doit faire comme ça. Donc le pasteur remplace la voix de Dieu. Aujourd'hui, c'est même plus, vous savez que beaucoup d'hommes n'ont plus leur place d'homme dans la maison. C'est le pasteur. Le pasteur a dit, donc on va faire. Non, c'est l'homme qui reste le chef de votre maison en fait. Donc il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. On va vous préparer encore un volume 3. On n'a pas fini. On va parler jusqu'à ce que ça va bien entrer. Parce que le but ici est que les gens soient délivrés. On en a marre de voir des jeunes filles souffrir, de voir des hommes souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mauvais choix ou ils sont encore dans des fiançailles ou c'est vraiment n'importe quoi. Homme de Dieu. En tout cas, voilà, peuple de Dieu, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ce que je dois vous dire, c'est quoi? Vous devez demander au Saint-Esprit, à partir de ce soir, vous qui faites le choix, vous qui êtes fiancé, ou vous qui recherchez des partenaires, demandez à Dieu un scénario divin. Comme on a vu chez Éléazar, il a été bien inspiré, un ange est venu confirmer son union. N'écoutez pas les gens qui vous disent, choisis ta femme et puis Dieu va bénir. C'est n'importe quoi. Il est écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est que tu travailles en vain. On va continuer la prochaine fois. On va toucher encore d'autres points. Et là, je serai un peu plus prophétique pour vous expliquer comment un scénario descend du ciel et a besoin d'une loi qu'on appelle la loi de la validation. Ah ouais. Parce que tout est spirituel. Mais pour que ça devienne chair, il faut une validation. Exactement comme Jésus existait déjà. Mais il fallait une validation dans le ventre de Marie. Et le Saint-Esprit lui-même est venu sur Marie. Et écoutez-moi bien, on n'a pas forcé Marie. On a demandé son approbation. L'ange est venu parler à Marie. Et c'est Marie qui a accepté d'apporter l'enfant Jésus. Alors si déjà le Saint-Esprit va demander même l'approbation de Marie avant que Jésus ne passe par son ventre, pourquoi ton pasteur ou qui que ce soit va t'imposer un mariage? Quelque chose que toi tu vas signer. Tu sais, vous savez, les contrats dans ce monde, n'importe qui peut signer un contrat à ta place, peut imiter ta signature. Mais qui peut prendre ta place pour vivre ton mariage, ton alliance dans le mariage? Personne. C'est une croix que toi seul es prêt à porter. Exactement. Voilà pour ce soir. Je m'arrête là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Nous vous tiendrons au courant pour la troisième partie. Nous saluons tous les enfants spirituels de l'homme de Dieu. Je vois Grâce qui est là. Je vois énormément de enfants princiers, etc. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt.